vidéo où je vais faire 5 figures de strings. Donc, je vais faire... Qu'est-ce que c'est qu'un strings? Bah, déjà, un string, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un simple fil multicolore. Simple fil, il n'y a pas de trucage ou de trucs comme ça. Où on peut faire des figures. Et dans le... Enfin, c'est pas une boîte, mais dans le petit truc en carton que vous avez... Si vous voulez déjà apprendre à faire quelques figures, gardez-le, ça vous dit à faire des figures. Sauf que c'est très dur à faire. Voilà, donc demandez plutôt à des amis qui ont ça, parce que j'ai essayé de reproduire les figures du carton. Et ben j'ai pas réussi, voilà. Donc la première figure, je vais la faire en vitesse normale, après je vais vous expliquer comme il faut pour toutes les figures. Donc pour commencer, je vais faire le tour de magie. Donc maman, j'aurai besoin de ta main. Mets ta main dedans. Tu dis si je serre trop. Hop là. Voilà. Donc. Alors explique-nous. Maintenant, vous prenez votre main, vous écartez tous les doigts. Enfin, sauf là. Vous pouvez... Ah oui. Pour vous aider, vous pouvez faire comme ça. Vous passez là et là. Et faites pas l'erreur à faire comme ça. Parce que moi, au début, je faisais tout le temps ça. Donc c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc pour vous aider, vous pouvez coller les doigts et du coup vous savez que c'est comme ça. Après vous faites pareil de l'autre main, donc ça donne ça. Après votre doigt du milieu, vous le passez ici. Pareil là. Après, je vous demandez à quelqu'un de mettre la main dans le trou du milieu. Là, le gros trou, là, voilà. Après, vous enlevez tous les doigts du fil, sauf les pouces, pour faire un truc croisé. Ensuite, vous faites la même chose, vous passez vos doigts et tout, vous faites pareil. Et là, vous redemandez de passer au milieu. Et là, c'est la même chose, vous enlevez tous les doigts, sauf les pouces. Donc, voilà. Donc, en deuxième figure, je vais faire la tour Eiffel. Mais pour la tour Eiffel, j'ai deux manières de le faire. Il y en a une que j'ai appris justement hier et une depuis que je l'ai eue. Enfin, pas depuis que je l'ai eue, avant. Donc, vous reprenez comme ça. Vous repassez les doigts au milieu. Donc cette fois, vous... Oh là, je tombe. Vous prenez le fil... Ici, donc pas celui qui est juste à côté de vous, mais celui qui est juste après, donc le dernier, quoi. Et là, avec si vous avez personne à côté de vous, le fil ici de base, quand on prend pas, c'est le fil de base, vous le retirez, vous le mettez en avant. Après, vous enlevez que les petits doigts et vous allez prendre les fils avec votre bouche ou voilà. Comme vous débrouillez et vous enlevez vos pouces. Voilà. Faut pas tirer trop, sinon ça fait ça. Et j'y vois une tour Eiffel. Après, j'ai une. Ah, mais d'ailleurs, je vais pas montrer la vitesse normale. Je vais la faire vite. C'est pas grave, ils ont compris. Hein. Hop, comme ça. J'essaie de faire vite. Voilà. Après, il y a une autre manière. Oula. Oulala. Il est fatigué, ton strings. Ah non, c'est bon, voilà. Donc après, il y a une autre manière que j'ai appris hier. Ouais, enfin, c'est moins élaboré, quoi. Ouais, c'est... C'est la triche, on va dire. Ouais. Donc, vous mettez comme ça. Là, vous croisez. Comme ça. Vous mettez vos mains à l'intérieur, vous prenez la boucle et vous la mettez à l'intérieur. Et vous tirez. Et ça fait la tour Eiffel. Voilà. Donc après, il y a la montgolfière, je crois que ça s'appelle. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je le fais pas bien. Donc là, déjà, vous avez le ciseau. Donc déjà, je vais vous apprendre à faire le ciseau. C'est plus facile. Donc là, si vous voyez pas, c'est là. Qu'il est le ciseau ici là. Donc là il y a des trucs, là il y a des trucs pour couper. Voilà, donc pour commencer déjà à faire le ciseau,
vous prenez d'une seule main et pas de deux. Vous tirez une fois. Vous tirez deux fois. Maintenant, vous mettez votre main à l'intérieur. Et vous prenez les deux boucles. Vous tirez là. Donc là, si vous tirez à l'intérieur de la boucle. Enfin, normalement, ça devrait faire là, tout seul. Donc là, vous avez fait le ciseau. Et après, pour faire la montgolfière, vous prenez le premier fil, vous le mettez sur... Index. Voilà. Et après, le deuxième fil, vous le mettez sur le... L'auriculaire. Voilà. Donc après, vous tirez... Non, l'auriculaire... Bref. Attendez. Donc... vous tirez sur la boucle. Normalement, elle est plus grande. Enfin, à peu près comme ça. Vous tirez dessus. Et là, ça fait comme ça. Par contre, si vous tirez trop, par exemple, vous faites comme ça, ça donne ça. Ça fait du gribouille, quoi. Un truc un peu bizarre. Et du coup, je vais remettre. Tout se ralentit. Oula, attends, ma montre, elle coince. Voilà. Donc, on retire sur le fil. Deux fois. Après on prend les deux. L'intérieur. Vous allez à l'intérieur. Vous prenez les deux boucles. Vous tirez, regardez, et là vous allez dans le fil qui est là. Là vous avez fait le ciseau. Après, pour vous aider, vous pouvez prendre ça et le mettre sur l'index. Et l'autre sur l'auriculaire, je crois. Non, je crois que... Ah bon, bref, voilà, vous mettez sur ces deux doigts. Là du coup vous tirez sur ça. Et voilà. Par contre, si vous faites par exemple ça. Fais n'importe quoi. Voilà. Donc là, on en est à combien? C'est la troisième, celle-là. Ah, ouais. Donc après, vous prenez votre fil, vous le tournez, comme ça. Après, vous allez rejoindre les deux. Hop. Comme ça. Ça, c'est quoi comme figure, ça? Là, je vais faire l'os. L'os, vous n'allez pas le faire en grand pour qu'il soit tout fin. Donc voilà, pour que ce soit un petit peu plus épais. Donc vous mettez là. Donc là, il y a une petite particularité. Vous tournez le fil. Et là, par contre, vous mettez comme toutes les autres figures. Enfin, pas toutes, mais... Après, c'est pareil, vous mettez vos doigts au milieu. Hop. Là, je monte vite. Hop. Hop, je dis, mais je fais vite. Et voilà, vous avez les petits doigts. Et là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, je pense. Parce que normalement, il n'y a pas ça. Mais du coup, je vais vous montrer plus lentement. Et normalement, si vous faites les figures correctement, il ne peut jamais y avoir de nœuds. Ah oui, voilà. Il ne peut jamais y avoir de nœuds. Ah voilà, il ne peut jamais y avoir de nœuds. Donc, je vous ai dit, hop, vous tournez comme ça pour que ça fasse une croix, on va dire. Vous reliez les deux. Voilà, donc, vous mettez comme ça, là. Vous tournez pour que ça fasse encore une croix. Vous mettez comme ça. Donc après, le doigt du milieu. Voilà. Là, pareil. Hop. Avec vos pouces, vous venez chercher là. Donc du coup, comme on a croisé, là, c'est plus un fil, c'est deux fils. Vous enlevez comme ça. On ne voit rien là. Ah oui, bref. Vous enlevez les deux trucs. Ah, clairement, c'est on est un pour la tour Eiffel. Vous enlevez les petits doigts. Et c'est tout. Et vous avez fait l'os. Et après, vous pouvez enlever vos doigts. Ça fait un os. Pourquoi il va être jaloux? Il va le manger. Voilà. Donc là, j'en ai fait combien du coup? C'est le quatrième. Je voulais faire quoi d'autre déjà? Attends, je voulais faire... Donc voilà, donc en fait, là, je viens de compter et j'en ai fait plus que 5. Là, ça fait 6. Mais bon, je vous montre tout ce que je sais faire et après je vais faire la peau de banane. Donc je suis pas sûre qu'on la fasse comme ça, mais moi je le fais comme ça. Enfin, donc après, vous faites comme le parachute, vous tirez une... Oula, attendez. Vous tirez une fois. Voilà, une fois. Vous tirez deux fois. Vous rentrez... Vous prenez les... Comme le ciseau, en fait.
Vous prenez les deux trucs. Ou la montgolfière. Donc la ciseau. Mmh. Hop, vous mettez là. Vous mettez là. Là, vous tirez ça. Hop, là, ça fait la montgolfière. Mmh. Maintenant, vous enlevez vos doigts. Et moi, je dis que ça, ça fait la peau de banane. Dites-moi en commentaire si ça, ça fait la peau de banane. Moi, je la fais comme ça. Sinon, je vais demander à mes copines parce que elles savent faire plus de trucs que moi. Mais bon, j'avoue, ça ressemble pas trop à une peau de banane. Mais bon. Ça ressemble à une montgolfière inversée, quoi. Ah oui. Montgolfière. Envole-toi. Bref, voilà, après il y a il y a plein d'autres trucs possibles. Il y a la tasse. En fait, je crois que la tasse, c'est un truc que quand vous pouvez chercher la tour Eiffel. Je crois que la tasse, c'est ça. Je suis pas trop sûre. Ça ressemble pas trop à une tasse, moi, je pense. Parce que, après, il y a l'échelle, la libellule, l'araignée, bref, plein d'autres trucs. Et du coup, bah voilà. Après, il y a aussi un site, c'est Strings Academy. Vous pouvez regarder des vidéos qui vous expliquent aussi bien les figures. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des pouces bleus. Et moi, je vous dis bye bye tout le monde!